السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسن بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، donc je vous souhaite la bienvenue pour ce cinquième cours de cette série qui porte sur des versets souvent mal compris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul verset. C'est que, au cours de cette rencontre, qui va être un petit peu différente par rapport aux autres, aux précédentes, nous allons aborder un élément qui aide à la compréhension. Donc, dans les jours précédents, j'avais expliqué comment comprendre le Coran, la méthodologie de l'imam Ibn Kathir, qui fut l'application de l'essai de Cheikh Issam Ibn Taymiyyah, Muqaddima fi Tafsir. Donc, l'imam Ibn Kathir, dans son livre d'exégèse, il a appliqué l'essai de Cheikh Issam Ibn Taymiyyah. Donc, tu expliques le Coran par le Coran, sinon par la Sunna, sinon si tu ne trouves pas par les paroles des compagnons, sinon par ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire leurs élèves, At-Tabi'in. Ensuite, j'ai parlé aussi de l'importance des causes de la révélation, comme hier, Asbab Nuzul. Donc, quand on connaît la cause de la révélation, cela aide à la compréhension. Aujourd'hui, j'ai ajouté un autre élément. Mais avant, prenons le verset d'aujourd'hui. Alors, le verset, il est de Surat An-Nisa. Surat An-Nisa, Surat les femmes, subhanallah, est une surah qui traite d'une thématique en général. Et ensuite, cette thématique est détaillée. Elle traite de la question des droits. Alors, cette sourate, subhanallah, si un jour, si nous vivons assez, inshallah, et que nous consacrons des séances à ce qu'on appelle at-tafsir al-mawdu'i, l'explication thématique du Coran. Et on va voir dans chaque sourate quels sont les thèmes présents et les sous-thèmes. Alors, le thème général de Sourate An-Nisa, les femmes, ce sont les droits. Les droits des femmes, les droits des orphelins, les droits des pauvres, tous les types de droits, subhanallah. Alors, le verset qui nous intéresse aujourd'hui, que j'ai choisi pour vous, c'est le verset 15. « وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. » Donc Allah a dit, celles de vos femmes qui sont coupables d'une turpitude, c'est-à-dire de fornication, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent alors, confiez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle, ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Alors, ce verset, quand on le lit, on dit, mais subhanallah, ce verset nous dit que si une personne est coupable de fornication, alors le châtiment réservé en islam n'est pas les coups de fouet ou la lapidation comme on l'entend souvent et comme l'expliquent les savants. Parce que le Coran nous dit que le châtiment, c'est tout simplement enfermer les personnes coupables de fornication jusqu'à la mort, ou bien les prennent, jusqu'ils meurent, ou bien qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard.
Et que la question de la lapidation ou les coups de fouet ne sont pas cités dans ce verset. Alors, là, on va voir ce qu'a dit Ibn Kathir dans l'explication de ce verset. Il a dit, au début de l'islam, quand une femme commettait l'adultère de façon vérifiée, preuve à l'appui, donc vérifiée à l'appui de preuves appropriées, on l'emprisonnait dans une maison d'où elle ne pouvait sortir jusqu'à sa mort. Alors, l'ordre en question, jusqu'à ce que la mort, jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Alors il dit, l'ordre en question est l'abrogation de ces dispositions. Donc, ces dispositions ont été abrogées. Alors, Ibn Abbas, radiallahu anhum, a dit, ces dispositions restaient en vigueur jusqu'à la révélation de Sourate An-Nur, la lumière, qui les a remplacées par la flagellation ou la lapidation. L'abrogation, un nasr, de ces dispositions fait l'objet d'un consensus. Et ça a été rapporté par plusieurs tabi'in, Ikrima, Sa'd ibn Jubayr, Al-Hassan, Ata al-Khurasani, Abu Salih, Qatada, donc Dahak, tous ont dit que ce verset a été abrogé. Donc le verset continue à être récité, il figure dans le Coran, mais sa règle a été abrogée. L'imam Ahmed a cité un hadith, a rapporté un hadith, celui de Ubadah ibn Samit, qui a dit, quand le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah recevait la révélation, il en portait les traces, se souciait son visage changé, donc on voyait son visage s'assombrir, et il transpirait même dans les jours les plus froids, et ici, par pas de transpiration, donc je vais me garder d'aller dans d'autres détails qui figurent dans d'autres hadiths, et je vais conserver seulement celui-là. Alors, il a dit, il en portait les traces, se souciait et son visage changeait un jour, Allah lui fit une révélation. Et quand il rouvrit ses esprits, en fait, Rasoul ne s'évanouissait pas, mais il était dans un autre état, il recevait la révélation. Il dit, notez, Allah leur a ouvert une voie. Quand deux personnes mariées commettent un acte sexuel ensemble, elles doivent être lapidées. Et quand deux célibataires commettent le même acte, elles doivent chacune recevoir 100 coups de fouet et subir l'exil d'un an. Donc, Rasoul, il a cité ce hadith. Ce hadith a aussi été utilisé par Al-Ilm pour déterminer que ce verset-là a été abrogé. Maintenant, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a dit, khudu anni, prenez de moi, faqad ja'ala Allahu lahunna sabila. Allah leur a trouvé un ordre, une issue. Al-bikru bil-bikr. Donc, al-bikru bil-bikr. Célibataire par célibataire. Mi'a. Donc, 100 coups de fouet. Wanafisana, et l'exil d'un an. Wathayib bil-thayib. Donc, thayib, ce n'est pas seulement la personne mariée. C'est marié, le veuf ou la veuve, ou bien le divorcé ou la divorcée. Donc, c'est le contraire de thayib, du célibataire. Alors, si la personne s'est mariée une seule fois et qu'il est veuf et qu'il est coupable d'adultère en islam, il ne doit pas être fouetté et exilé, mais il doit être lapidé. Jaldoumi'a ou Ar-Rajm. Donc, ce que dit le prophète, alayhi salam, ça c'est dans il y a parmi les madahib qui retient ça, c'est qu'il doit être fouetté, ensuite lapidé. Donc, il a dit, Wathayyibu bithayyib, Jaldoumi'athin ou Ar-Rajm. Amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, faqad ja'ala Allahu lahunna sabila. Ça c'est l'imam An-Nawawi qui est en train d'expliquer ce hadith qui est dans Sahih Muslim. Fa'ishara ila qawlihi ta'ala, فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو ذلك السبيل. Donc c'est ça la voie. La voie, c'est que le prophète alayhi salam nous a dit que ce verset-là a été abrogé et que la règle, al-hukm, la disposition, a été remplacée. Donc on est passé de la question de l'enfermement jusqu'à la mort, à l'issue. C'est quoi l'issue? C'est ce que je viens de dire. Et il y a une divergence entre eux. Est-ce que ce verset-là, elle y est muhkama? Alors,
et ce hadith l'explique, ou bien mansoukha, elle a été abrogée par le verset de la lumière. Alors, parce que certains ont dit que le verset de la lumière, An-Nur, Surat An-Nur, figure pour les célibataires. Et que celle-là, elle parle des non-célibataires et qu'elle parle de la mort, et c'est la mort qui a été retenue, mais tout simplement avant c'était l'enfermement jusqu'à la mort, et ça a été remplacé par un autre verset qui fut abrogé lui aussi et qui parle de la lapidation. Maintenant, Allah Azzajal a dit: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَنْتَ مُفْتَرٍ. Donc, si nous remplaçons un verset par un autre verset, et Dieu sait ce qu'il fait descendre, ils disent: tu n'es qu'un inventeur. Mufteri, c'est-à-dire un inventeur. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. En fait, la plupart d'entre eux ne savent pas. Alors, ce verset-là, il est cité par Al-Ilm. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Donc, nous remplaçons, si nos corps nous remplaçons bien, si nous remplaçons un verset par un verset, et Dieu et Allah sait ce qu'il fait descendre, ils disent: tu n'es qu'un inventeur. En fait, la plupart d'entre eux ne savent pas. Maintenant, il y a aussi un autre verset qui dit: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Chaque fois que nous abrogeons un verset, نَنْسَخْ, ou que nous le retardons, نَنْسَأْهَا, nous n'en apportons un meilleur ou un semblable. Alors, d'autres versets, mais ce que j'aimerais souligner, c'est que la question de l'abrogation, an-nasr, qui signifie, louratan, linguistiquement, le fait d'enlever ou bien d'effacer. An-nasr wa al-raf'u wa al-izal louratan. Dans al-shara, c'est-à-dire l'istilah, d'un point de vue conceptuel, an-nasr, l'abrogation, cela veut dire qu'on enlève une disposition légale, un hukm, une règle fondée sur un argument tiré du Coran ou de la Sunna. Donc le Coran peut abroger le Coran et la Sunna peut abroger le Coran. Il y a une divergence à ce niveau-là, mais Inch'Allah, on le développera ça plus tard. L'abrogation s'atteste donc dans le Coran, l'abrogation nasr s'atteste dans la Sunna, et l'abrogation, c'est-à-dire le fait d'abroger, nasakha, d'effacer, s'atteste aussi dans le consensus, el-ijma', des partisans de la sunna. Alors, Allah Azza wa Jalla dit: si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ne sais-tu pas qu'Allah appartient au royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur ni secoureur. L'imam Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, dans son livre Manahil Al-Irfan, il a dit: l'abrogation mentionnée dans le Coran est de trois sortes. Celle qui porte sur le texte et Al-Hukm, c'est-à-dire la règle ou le décret, la disposition légale. Alors, c'est le premier type qu'Allah Azza wa Jal va abroger, le texte et Al-Hukm, les deux. Ou bien, il y a une abrogation qui porte seulement sur le texte. Le texte ne figure plus, mais le décret ou la disposition, elle continue à être appliquée. Et il y a un troisième type, c'est celui qui enlève ce qu'on appelle Al-Hukm, le décret, mais qui laisse le texte. Comme celui que je viens de citer maintenant, le verset 15 de Sourate les Femmes, An-Nisa. Alors, je vais donner quelques exemples. Abroger le texte, Al-Hukm, le texte, et Al-Hukm, et la disposition à la fois. Alors, il y a un hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith Aisha radiallahu anha, selon lequel elle a dit: on trouvait dans la révélation coranique 10 allaitements bien connus ont un effet prohibitif. Donc, si un enfant prend 10 allaitements d'une femme,
celle qui a allaité avec lui devient sa sœur d'allaitement. Il ne peut pas se marier avec elle. Alors, puis on les a abrogés et remplacés par 5 allaitements bien connus. Au moment du décès du prophète, alayhi salatu wasalam, on les lisait dans le Coran. Ce hadith a été jugé authentique. Donc, ça a été abrogé. Le texte a été abrogé et al-hukm a été abrogé. Maintenant, le deuxième point, c'est abroger al-hukm, le décret, et tout en maintenant le texte coranique, le verset, continue à être là. Alors, parmi ces exemples-là, قَوْلُهُ تَعَالَى « Ô vous qui avez cru, يَا الَّذِينَ آمَنُوا, quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien. » Alors, ce verset a été abrogé par la parole d'Allah Azza wa Jal. Appréhendez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien, mais si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez à Allah et son messager. Donc au début, pour s'entretenir avec le prophète alayhi salam, il fallait faire précéder ça par une sadaqa, une aumône. Ça a été abrogé. Maintenant, il y a un troisième type, c'est le fait d'abroger le texte, mais maintenir al-hukm, c'est-à-dire le décret. Donc le texte n'est plus dans le Coran, mais le décret existe toujours en islam. Et parmi ces éléments-là, c'est la question de la lapidation. Alors, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu ont dit, ont trouvé dans la révélation coranique, si un vieux et une vieille commettent l'adultère, lapidez-les toujours. Alors, ce verset-là n'existe plus dans le Coran. Mais la lapidation continue à être appliquée, c'est-à-dire au niveau de l'islam, et c'est maintenu dans la sunna et dans le consensus des musulmans. Autre exemple. Maintenant, ça, c'est les trois types de l'abrogation. Maintenant, pourquoi Allah Azza wa Jal a utilisé l'abrogation? Allah, on ne peut pas lui poser des questions pour lui dire pourquoi, on ne peut pas dire pourquoi Allah a fait. Mais on essaie de comprendre tout simplement. L'a'tirad ala qadar illah azza wa jalla wa la hukm illah. Donc on n'a pas le droit en tant que musulman de remettre en question un décret divin. Mais des fois, Allah azza wa jalla nous donne des signes pour comprendre. Et c'est ça, méditer les textes coraniques. Le texte coranique et le verset coranique. Alors, par Ahl-ilm, l'imam Sa'di a dit que c'est parmi la miséricorde d'Allah azza wa jalla. C'est pour alléger la tâche à cette umma qu'Allah Azza wa Jal a abrogé certains textes ou certains décrets. Et aussi pour, si on prend par exemple le jihad, comment il a été légiféré graduellement. Si on prend la prohibition du vin, de l'alcool, comment il a été interdit progressivement, graduellement. On voit que c'était une préparation pour la communauté pour accepter la législation. C'est que cette umma, cette communauté, était loin de la religion. C'était dans la période pré-islamique. Les gens vivaient dans une sorte de barbarie, subhanallah, dans les ténèbres. Alors Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, les a préparés graduellement. Alors, parmi les exemples, je vais donner celui de l'alcool, le vin. Allah Azza wa Jal a révélé au début, à propos du vin, des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Donc vous remarquerez que le texte coranique a parlé d'une boisson enivrante qui change l'esprit et un aliment excellent. Donc sans jugement. Mais les deux, c'est sûr que ici le verset coranique n'est pas neutre. Il y a un certain jugement. Quand on dit boisson enivrante et un aliment excellent, donc aliment excellent, on voit très bien que le registre ici de langue est amélioratif. Ici, c'est amélioratif. Et dans boisson enivrante, c'est quand même péjoratif. Enivrant, ça change la raison, l'esprit. Alors, ça c'était au début. Ensuite, Allah Azza wa Jal a révélé, et parmi les causes de la révélation, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, « Oh Allah, indique-nous, il a invoqué Allah, indique-nous une position claire concernant l'alcool, concernant le vin. » Alors, Allah exalté soit-il révéla un autre verset, et il a dit, « Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. » Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens.
mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Mais ce verset n'a pas interdit l'alcool et le vin. Il a dit, il y a un péché, un grand péché, et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Alors, les compagnons, plusieurs compagnons qui s'adonnaient encore à la boisson, ont arrêté de boire. Subhanallah. Certains ont continué, ils ont dit, Allah ne l'a pas interdit. Et certains n'ont jamais touché à l'alcool. Dans le Jahiliyyah, comme Rasul alayhi sallam, comme Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, comme Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Donc, Uthman et Abu Bakr al-Siddiq n'ont jamais bu de vin. Parce qu'ils disaient, tudhibul muru'a. Donc, quand la personne, subhanallah, va boire, son esprit change et il peut devenir la risée de tout le monde. On peut le pousser, on peut se moquer de lui, il peut tomber, il peut vomir, il peut même uriner dans ses vêtements. Donc, la personne n'a plus de dignité, proprement dite. Alors, il y avait des grands compagnons qui n'ont jamais touché à l'alcool, même avant. Alors, d'autres buvaient le vin, parce que c'était dans les traditions tribales de Quraysh et des Arabes à l'époque. Anti-islamique. Alors, quand le Coran est venu dire en premier lieu des fruits, des palmiers, des vignes, vous retirez une boisson enivrante, un aliment excellent, donc là, on voit très bien qu'il y a enivrante, aliment excellent. Omar radiallahu anhu invoque Allah Azza wa Jal, Allah fait descendre, subhanallah, ce verset-là, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, dit dans les deux, il y a un grand péché. Et quelques avantages, des avantages pécuniers. Vous savez, la personne qui boit de l'alcool, si tu vas lui faire un rappel, il va pleurer, et au lieu de te donner 1 ou 2 dollars, comme font les gens dans les mosquées, il va te sortir 100 dollars. D'ailleurs, l'arabe disait, al-karam min al-karma. Donc, al-karam c'est al-joud, al-ata, le fait d'être généreux, la générosité, elle provient de karam en arabe, générosité, al-karma c'est la vigne. Donc, il y a une ressemblance, peut-être pas seulement le sémantique ou linguistique, mais aussi étymologique, dans le fait que les deux sont proches. Donc celui qui sous, qui est ivre, il a tendance à donner plus. Alors, il ne peut plus contrôler ses dépenses. Il peut tout donner, d'une certaine manière. Alors, ça, c'est les quelques avantages. Les quelques avantages aussi, parce que tu peux en tirer de l'argent et faire du commerce et tout. Alors, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Ensuite, il y a eu une autre révélation. Allah Azza wa Jalla dit pour ceux qui continuent à boire, Ya ayyuha alladhina amanu, les croyants, n'approchez pas. Ya ayyuha alladhina amanu, les croyants, n'approchez pas de la salat. La taqrabu salat wa antum sukara. N'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivre. Alors, ça, ce n'était pas encore une interdiction totale. Regardez, étape 1, étape 2, étape 3. Alors, là, Allah leur a demandé de ne pas approcher de la prière en étant sous. L'un des compagnons qui était encore sous l'effet de l'alcool s'est trempé dans la récitation. Ensuite, Allah Azza wa Jal a fait descendre un ordre clair. Ya ayyuha alladhina amanu, les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc, quand allez-vous cesser, ils ont pris le vin et l'ont versé dans les ruelles de Médine. L'un d'eux est venu voir Rasoul et dit, Ya Rasoulallah, j'ai encore du vin, est-ce que je peux le transformer en vinaigre? Et ça, c'est parmi les miracles, subhanallah, prophétiques, que le prophète leur a dit, le vinaigre n'est pas haram, il ne contient pas d'alcool. Alors, regardez, c'est un alphabet, alayhi salatu wassalam, qui a enseigné aux savants. Je parlais avec un frère qui a 2 doctorats en chimie, et il m'a dit, subhanallah, ça c'est parmi les miracles que le prophète, alayhi salam, ait déclaré que le vinaigre est halal, mais que le vin est haram. Alors, il a dit, aj'aluhu khalla, est-ce que je transforme ce vin en vinaigre? Le prophète, alayhi salam, a dit, non, verse-le. Est-ce que c'est permis de consommer du vinaigre qui provient de l'alcool? Oui, c'est permis, à condition que ce ne soit pas un musulman qui l'ait fait. Donc si tu habites dans un pays non musulman et que tu trouves vinaigre d'alcool, parce que ça coûte moins cher de transformer le vinaigre, le vin, en vinaigre. D'ailleurs, les brasseries du Maroc, mashallah, c'est ce qu'ils font. Ils vendent du vinaigre qui est transformé à partir du vin. Mais si vous voulez transformer le jus en vinaigre, ça coûte plus cher. Donc
caisson d'argent. Sauf qu'en islam, on n'a pas le droit de le faire. Tu as le droit de le consommer si tu trouves sur le marché. Quelqu'un d'autre l'a fait, un chrétien. Mais tu n'as pas le droit toi-même de le faire. Alors, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les compagnons, parmi eux, ils ont versé le vin. Et ceux qui ont posé la question au prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a interdit de transformer le vin qu'ils avaient en vinaigre. Et ils l'ont jeté. Ils ne l'ont pas vendu. Comme prétendent certains qui disent « Ah, je suis dans Dar al-Kufr, j'habite dans un pays de mécréance, j'ai le droit de vendre le vin ou le porc à des non-musulmans. » Tu n'as pas le droit de leur vendre ça. Parce que c'est quelque chose qui est nocif. Et toi, ce que tu as l'obligation de faire, c'est de leur montrer al-haq, la vérité. Sauf que ce que vous faites, ce que font ces gens-là, ils cachent al-haq, la vérité, parce qu'ils ont peur pour de perdre leur papier, leur statut. Ils ont peur d'être attaqués. Donc, ils vont cacher et ils vont vendre aux autres ce qu'ils veulent bien consommer. Alors qu'on sait très bien, on sait pertinemment que si on voulait vraiment le bien pour ces gens-là, c'est qu'on leur montre l'islam tel qu'il est et qu'on ne profite pas, par exemple, de leur dépendance à l'alcool pour leur vendre de l'alcool. Là, c'est une honte que des musulmans vendent de l'alcool à ceux qui disent mécréants. Ok, ils sont mécréants, il n'y a pas de doute à cet égard, mais est-ce que c'est une, subhanallah, une excuse pour leur vendre ce qui est nocif? Non, s'ils sont mécréants, il faudrait que tu les sortes de la mécréance vers la lumière, vers la foi, parce que le musulman veut le bien pour l'humanité tout entière, il veut convertir tout le monde. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, donc le prophète alayhi salam leur a interdit, via ce verset-là, le vin, ils ont accouru pour verser l'alcool. Maintenant, ce que j'aimerais souligner à propos de l'abrogation, vous avez remarqué que je suis parti du verset 15 de Sourate An-Nisa et que j'ai parlé énormément sur An-Nasr, l'abrogation. C'est parce que plusieurs versets dans le Coran, quand on les lit, on ne les comprend pas, on dit que c'est plus applicable aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont été abrogés. Maintenant, quels sont les domaines dans lesquels est applicable l'abrogation, An-Nasr? Al-ilm, ils ont dit la nasra fil aqaid. Ou la nasra fi usul al-din ou la nasra fi al-akhbar. Donc la nasra fi al-akhbar ou la fi usul al-din. Donc il y a deux domaines dans lesquels il n'y a pas d'abrogation. Usul al-din, les fondements de la religion, la croyance, c'est que on peut pas les abroger, il n'y a pas d'abrogation. Allah Azza wa Jalla n'a pas abrogé cela. Et al-akhbar. Alors, al-akhbar, que ce soit des récits passé, toute information qui est dans le Coran, que ce soit une information du passé ou une information de l'avenir, elle ne pourra plus être abrogée. Donc le prophète alayhi salam ne peut pas dire, que je dis, c'est-à-dire il transmet, il ne peut pas transmettre de son Seigneur un verset qui parle, et il n'a jamais fait, alayhi salatu wassalam, d'une information sur le passé, ensuite il va dire, ah, ça a été abrogé. Et il ne peut pas transmettre une information sur l'avenir, une prophétie, dire, ça a été abrogé. Donc, l'abrogation ne touche que ce qu'on appelle al-ahkam. Et il faut comprendre que al-shari'a naw'an, khabarun wa amrun. Donc, khabar wa amr. Al-shari'a, la législation, je répète, est soit un ordre, halal, haram, soit ce qu'on appelle amr, soit khabar. Al-khabar. Donc, ça comprend les croyances du musulman, le paradis, l'enfer, les anges, Allah Azza wa Jal, ses noms, ses attributs. Alors, tout cela ne peut pas être abrogé. Et ça comprend aussi les récits de ceux qui nous ont précédés, ou bien la fin des temps, ce qui va arriver. Alors, j'espère que ça a été clair.